Bonjour, Liliane des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous cet album. Je mange, je dors, je me gratte, je suis un wombat. Écrit par Jackie French et illustré par Bruce Watley aux éditions Albin Michel. Lundi, matin, sieste. Après-midi, sieste. Soir et manger de l'herbe, me suis gratté, nuit et remanger de l'herbe, puis dodo. Mardi matin, sieste. Après-midi, sieste. Soir, manger de l'herbe. Nuit, encore de l'herbe, commence à m'enlacer. Ensuite, me suis gratté le dos. Très difficile de se gratter au bon endroit. Et dodo. Mercredi, matin, sieste. Après-midi, temps doux, légèrement nuageux, et trouvé endroit idéal pour prendre un bain de poussière. Et rencontrer créatures toutes plates et pleines de poils sur mon territoire. Terrible bagarre entre elles et moi. En suis sorti vainqueur et réclamé une carotte. Carotte délicieuse. Soir et demander d'autres carottes. Pas de réponse. Et grignoter le bas de la porte. Par pitié, donnez-lui des carottes. Et manger des carottes. Me suis gratté. Dodo. Jeudi matin, sieste. Après-midi et découvert endroit idéal pour me gratter le dos. Soir et réclamer d'autres carottes. Pas de réponse. Suis retournée à la porte. Mystère. Elle résiste à mes coups de griffe. Boxer la poubelle jusqu'à ce que les carottes arrivent. Manger mes carottes. Creuser un nouveau trou en terrain mou. Ensuite, dodo. Vendredi. Matin, sieste. Après-midi et découvert nouveau gratte-dos. Trouver aussi nouvelle mine de carottes. Soir, quelqu'un a rebouché mon dernier trou. Obligé de tout recommencer. Nuit et travailler à mon terrier. Samedi, matin et emménager dans mon nouveau terrier. Après-midi, pluie. Nouveau terrier complètement inondé, obligé de retourner dans l'ancien. Soir et découvert d'autres carottes. Décidément, le monde en est rempli. Carottes excellentes. Nuit, tout manger et dodo. Dimanche, matin, sieste. Après-midi, sieste. Soir, sieste. Nuit, offrande de carottes à la porte. Des carottes, toujours des carottes, ça devient lassant. Et réclamer des flocons d'avoine à la place. Mais les humains ont apparemment du mal à comprendre une demande aussi simple. Je suis toujours étonnée par leur bêtise. Et grignoter une paire de bottes, trois cartons, 11 pots de fleurs et une chaise de jardin avant qu'ils ne saisissent le message. Et manger mes flocons d'avoine. Me suis grattée. Puis dodo. Lundi matin, sieste. Après-midi, grande forme. Sur mon chemin, des choses mouillées m'ont chatouillé le nez. M'en suis débarrassée. Et réclamé des flocons d'avoine et des carottes. Me suis fait comprendre au bout de 5 minutes de boxe avec la poubelle. Soir, et découvert que les humains font de bons compagnons quand ils sont bien dressés. Nuit et creuser nouveau terrier pour me rapprocher d'eux. Et dodo. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.